Yop 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 les amis, c'est New Princey qui se fait agresser par un Rukul, c'est pas normal ça. Rukul, va-t'en s'il te plaît. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour vous parler de la nouvelle technique de chasse dans Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. C'est pas compliqué du tout, vous allez voir. Déjà dans un premier temps, vous choisissez le Pokémon que vous voulez attraper en Shiny. Ensuite de manière très logique, vous vous rendez tout simplement à l'endroit où se trouve le Pokémon. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est qu'il y a une technique de chaîne. Je vais vous la montrer rapidement. Mais avant ça, je vais vous préciser quelques petites choses. Déjà de base, sachez que vous ne devez absolument pas changer de route, même si le Pokémon est disponible dans une autre. Donc restez bien sur la même route en chassant. Sur le Pokémon que vous avez choisi de chasser, vous devez enchaîner les captures. Si un autre Pokémon vous attaque, ne l'attaquez pas. Fuyez, cela ne brisera pas votre chaîne. Si jamais il y a un dresseur, il est là en mode « Ouais, vas-y, viens te battre, viens te battre !» Cela ne brisera pas votre chaîne également. Si le Pokémon que vous chassez, vous, prend la fuite, ça brisera malheureusement votre chaîne. Utilisez des baies Frambi et des baies Nanab. Je ne vous ai pas dit le principal, mais nous allons commencer. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, imaginons les amis que je choisisse de chasser Rattata. Voici le premier. La chaîne va donc commencer. Donc, je le capture. J'espère. Il faut rentrer, monsieur Rattata, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Rattata. S'il vous plaît, monsieur Rattata, vous aurez de la ratatouille. C'est très bien ça. Donc là, j'en ai capturé un premier. Rattata, commence pas les bêtises. J'ai dit le deuxième Rattata. Oh, quelle arrogance. Là, comme vous voyez, il y a marqué combo capture 2. Continue comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est très simple. Comme vous pouvez le constater à l'écran, je vous ai mis un tableau où il y a marqué combo capture, tout de shiny normal, tout de shiny avec le charme chromatique et IV parfait. Sur ce tableau, on se rend compte tout simplement en capturant entre 1 à 10 Pokémon, le taux de shiny reste normal, une chance sur 4096. Juste la différence se fait entre 1 et 5 et 6 et 10. Tout simplement, comme vous le voyez, 1 à 5, il y aura 2 IV parfaits sur le Pokémon et 6 à 10, 3 IV parfaits sur le Pokémon. Donc là, pour moi, le Rattata, à partir de la 11e capture, le taux deviendra complètement différent. Et oui, c'est divisé, une chance sur 2048 que le Pokémon soit shiny. Et il aura 4 IV parfaits. Comme vous le constatez toujours, à partir de la 21e capture, le taux descendra davantage. Une chance sur 1366 que le Pokémon soit chromatique. Et il aura 5 IV parfaits. Et toujours comme vous le constatez, à partir de 31 captures, le taux descendra à une chance sur 1024. Et il aura 6 IV parfaits. Par contre, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous avez déjà oublié, revenez en arrière. C'est bon, j'en ai enfin capturé 10. Donc, à partir du 11e, maintenant, une chance sur 2048 que le Pokémon soit shiny. Comme vous le voyez, combo capture 20. Donc, une chance sur 1366 à partir de maintenant. Non. Piafabec dégage. Au pire, on prend la fuite, comme je l'ai dit en début de vidéo. Comme vous le voyez, j'ai capturé 30 Rattata, combo capture 30. À partir du 31e maintenant, j'aurai une chance sur 1024 que le Pokémon soit shiny. Du coup, je sais pas si c'est une bonne technique de laisser passer tous les Rattata en attendant justement de voir le shiny, je ne sais pas trop. Le taux ne descendra plus de toute façon. Eh frérot, à force de pas attaquer les Pokémon, il va y avoir une armée de Pokémon dans ces herbes-là, je vais me faire démonter la gueule. Moi, je pense quand même que c'est plutôt logique de laisser les Rattata courir tout simplement parce que les développeurs se sont dit, les joueurs ne vont pas avoir 100 milliards de Pokéball non plus pour capturer tous les Pokémon, quoi. On y croit jusqu'au bout, on y croit. Oh my fucking god! Oh my fucking god, rien à voir, mais... Oh my fucking god, rien à voir, pourtant, rien à voir! Piafabé chromatique! Yes, et pourtant, c'était une chaîne de Rattata que je faisais! Rien à voir! What the fuck? What the fuck, Piafabé shiny? Sur 4096, oui, j'ai bugué 4096! Waouh! Mais rien à voir! Rien à voir, moi je voulais le Rattata! C'est incroyable! Piafabec Shiny, excellamente! Comment on fait déjà? Je tremble! Oui, reste dans la bolle s'il te plaît! Non! C'est incroyable! J'ai pas d'autre mot! 4096! Aucune! Chaîne, j'ai rien fait. Mais non. Mais c'est le Rattata que je voulais. Du coup, la chaîne de Rattata est cassée. Mais... Bref, vous avez compris le principe. Mon jeu, il est à l'envers comme mon cerveau. C'est incroyable. C'est incroyable.
Piaf avec Shiny qui n'a strictement rien à voir avec la technique de chasse employée. Bref, c'est juste incroyable, vous avez compris, la technique de chasse, c'est le principal. Enfin, je l'espère du moins. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire « NP, j'ai pas compris ceci ou cela », je vous répondrai, y a aucun souci. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pense à lâcher un gros pouce bleu pour cette capture. Je vous dis à la prochaine les amis pour de nouvelles aventures dans Pokémon Let's Go Evoli. Ciao tout le monde.